Salut les gars et les gattes. Alors, aujourd'hui on est sur la cinquième séance. Voilà. Vous n'êtes toujours pas fatigué? Bon, ben on y va. On va quand même se reposer aujourd'hui. Aujourd'hui, on va faire de l'endurance fondamentale. Voilà, fondamentale. C'est la vitesse à laquelle théoriquement vous êtes le plus souvent en trail, voire même parfois vous êtes à des vitesses un petit peu en dessous parfois. Hein. Donc l'endurance fondamentale, c'est quoi? Ça veut dire 70% de FC max. Tout simplement, on va réaliser une séance de 70 minutes, donc c'est long, hein, suffisamment pour mettre en principe, donc à mettre en branle tous les principes de l'endurance physiologique. Donc 70% à 70% de la 70 minutes. Oh là là, 70 minutes à 70% de la FC max, ça c'est ce que j'appelle une séance à 70. Et on terminera par 2 à 5 minutes de retour au calme avec une marche souple, un petit trot, une récupération active. Hein, voilà. Pensez peut-être vers la fin de la séance à faire quelques petits étirements, pas beaucoup. Ça sert pas à grand-chose de vous faire du mal. Hein, les étirements, c'est fait pour vous délasser, vous détendre. Vous ne devez jamais aller sur la douleur. Hein. Moi, personnellement, des étirements, j'en fais pas souvent. Mais quand j'en fais, ça me fait franchement du bien. Prenez également à boire. Prenez sur une séance comme celle-ci, vous pouvez commencer à tester un petit peu quelques produits alimentaires à grignoter, des barres de céréales, des pâtes de fruits ou autre chose. Pourquoi pas des petites noix de cajou ou des noisettes, etc. C'est à vous de voir ce qui va vous convenir. Hein. On peut commencer à tester l'alimentaire. Voilà. N'oubliez pas de boire à chaque fois que vous prenez des aliments solides pour faire passer le bol alimentaire. Hein, doit passer, sinon vous allez vous bloquer tout simplement l'estomac par un bol alimentaire trop compact. Il faut faire passer avec de l'eau. Voilà, et ben écoutez, c'est déjà fini. Donc on se retrouve pour la sixième séance bientôt. Hein, donc la deuxième séance de la deuxième semaine. Ou la troisième séance de la troisième semaine? Je ne sais plus. Ouais, la troisième séance de la deuxième semaine. Voilà, la séance 6, c'est parti!